Tu te taire. Le docteur Asini rentrera à 22h. S'il s'agit d'une chose urgente, veuillez laisser votre message. L'enregistrement automatique fonctionnera pendant 20 secondes. Parlez maintenant. Appel urgent de la clinique. Il est 21h55. L'état du patient de la chambre 34 s'est aggravé. Ses conditions sont critiques. Votre présence est indispensable. Que tu es en train de faire? Seulement un petit nettoyage. Tu n'as pas envie de t'entraîner cet après-midi? Nous n'irons pas à la villa aujourd'hui. Et pourquoi? Je viens de recevoir un coup de téléphone de Miguel. Paola veut jouer au golf cet après-midi. Ils ont raison, ils sont fiancés après tout. C'est logique. Ils ont sûrement envie de rester ensemble. Il faut bien qu'ils parlent de leurs affaires personnelles. Non, il ne s'agit pas de ça. Miguel a décidé de partir pour Milan en fin de soirée. Et Paola veut éviter à tout prix que nous le rencontrions avant son départ. Et nous, qu'allons-nous faire dans tout ça? Nous irons jouer au golf. Vous êtes amis depuis l'époque de l'université. Tu dois essayer de le convaincre. Elena, je ne peux pas intervenir dans sa décision, d'autant plus que l'autre clinique lui offre 25% de la totalité des actions. Jamais Miguel ne nous aurait abandonnés pour une question d'intérêt. Mais il y a une autre personne qui fait tout ce qu'elle peut pour essayer de l'éloigner de nous. Je suis désolé, Elena, mais je ne peux rien y faire.
De plus, je ne vois pas à quel titre. Tu sembles oublier que tu es mon mari. Oui, mais un mari que tu as épousé sous le régime de la séparation de biens. Une espèce de prince consort qui n'a jamais eu voix au chapitre. Et ça, tu le sais aussi bien que moi. Si tu manques vraiment d'autorité, c'est moi qui m'en occuperai. Je peux t'assurer que Paola ne gagnera pas si facilement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça fait plus d'un quart d'heure que je t'attends en bas. Je m'étais endormie. Je vais faire vite maintenant. Tu me pardonnes? Ouais. Non, si tu ne te dépêches pas. Il y a Elena et Roberto qui nous attendent. Oh non, encore eux. Paola, il faut agir avec tact. Promets-moi que tu ne te laisseras pas convaincre, Miguel. Je te le promets, mais il faut partir. Allez, dépêche-toi. Je t'en prie, Paola. En attendant, tu peux te servir à boire. Tu sais, je suis extrêmement préoccupé. Cette nuit, il y a quelqu'un qui est entré chez moi. Et est-ce qu'on t'a volé quelque chose? Oui, la proposition que m'a faite la clinique de Milan ainsi que ma réponse. Que toi seul connaissais. J'avoue que je suis très troublé par cette affaire. Mieux vaut appeler les choses par leur nom véritable. Dans ce cas, il s'agit d'ingratitude. Le fait que je m'en aille n'est absolument pas grave pour vous. Ah, n'essaie pas de minimiser le problème. Tu es arrivé à acquérir une notoriété qui donne un prestige social et professionnel à la clinique. Essayons d'être honnêtes. Bien souvent, l'important n'est pas celui qui opère, mais celui qui subit l'opération. Il suffit de deux interventions réussies sur des patients fameux et voilà, le tour est joué. Si Roberto avait pu avoir autant de chance que moi... Roberto n'est pas notre sujet de conversation. Essaye d'être un peu raisonnable. Une occasion comme celle-ci ne se représentera plus pour moi. C'est mon père qui t'a offert une occasion quand tu as débuté. Et après lui, c'est moi qui ai continué. Et je ne l'oublierai jamais. Je vous suis très reconnaissant, mais il s'agit de mon futur mariage. Enfin, nous y voilà. Finalement, nous arrivons au fond du problème. Paola. Paola, tu es vraiment certaine que c'est un homme fait pour toi? Miguel représente absolument tout ce que la femme la plus exigeante peut rêver. Ta réponse manque un peu de clarté, tu ne trouves pas? Ta demande n'était pas claire non plus. Roberto, s'il faut nous séparer, faisons-le sans histoire. Au fond, ce que tu veux savoir, c'est si je suis vraiment amoureuse de lui. Oui, c'est exact. Je serai franche avec toi. Une seule fois, je suis tombée amoureuse. Je me suis abandonnée complètement sans penser aux conséquences possibles. Résultat, j'ai souffert énormément. Et j'ai fait souffrir d'autres personnes. Et je ne voudrais vraiment pas que ça recommence. Les circonstances étaient différentes à ce moment-là. Tout devient très facile avec Miguel, tu sais. J'ai une grande affection pour lui. Si je n'étais pas convaincue qu'un jour je finirais par l'aimer, jamais je ne l'épouserais. Je crois qu'il est impossible d'être plus sincère. Et lui, il le sait? Oui. Et cela ne crée aucun problème entre nous. Il a très confiance en lui. Et je suis sûre qu'il m'aime. Carly! Votre femme s'est évanouie! Je te prie de m'excuser, Paola. Je viens à peine d'apprendre ce qui s'est passé. Comment se sent-elle maintenant? Il semble qu'elle va mieux. Je vous annonce tout de suite, monsieur. Oui, oui, je te remercie beaucoup. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait perdre cette journée de golf. Monsieur Louise vient d'arriver. Nous venons tout de suite. Ah, très bien, je suis tout à fait ravie qu'il soit venu. Je viens de prendre une décision extrêmement importante. J'ai pensé à t'offrir 28% du total des actions de notre clinique. Tu ne dis rien? Elena, en un certain sens, j'ai déjà donné ma parole. Tu as donné ta parole? Ils ont de la chance, j'aimerais que tu fasses preuve du même genre de délicatesse avec moi. Il faut que tu te reposes, il sera toujours temps d'en reparler. Je veux une réponse immédiate. Il faut que j'y pense. On m'attend à Milan dès aujourd'hui. Je dois y aller. Paola, ça t'ennuierait de nous laisser seuls un moment? Promets-moi de ne rien signer jusqu'à ce que nous en reparlions. C'est la seule chose que je te demande. À quelle heure entreras-tu demain soir? Je serai à la maison entre 6h et 7h. C'est parfait, je t'appellerai vers 6h30. Tout à fait d'accord. Cependant, il y a quelque chose de beaucoup plus important que tout ça et qui regarde ta santé. Je crois que Roberto t'a déjà expliqué la gravité de ta maladie. Oui, oui, je sais. Sclérose de la veine aortique qui va en s'aggravant avec le temps. N'importe quelle douleur peut me tuer. Tu ne devrais pas plaisanter avec ce genre de choses. Sérieusement, Elena, tu devrais te faire opérer.
Ça me convient parfaitement. Quand tu seras notre associé, Roberto et toi, vous pourrez vous amuser à m'opérer. Et s'il m'arrive quelque chose, Roberto héritera de ma part et vous pourrez continuer à être deux associés. Et maintenant, ma chérie, dors un peu. Il faut que tu te reposes. Elle est hystérique et elle met tout le monde mal à l'aise. Ah, je vois sur ton visage que tu as déjà été informé. Oui, en effet, c'est Paola qui me l'a dit. Je vais m'en occuper, Maria. Miguel, je n'ai absolument rien contre toi, mais la proposition que t'as faite Elena me semble injuste. Je bénéficie de droits déjà acquis, et en plus j'ai des pouvoirs définis avec précision. Je vous en prie, il vaut mieux parler doucement. Et il y a une clause dans le contrat qui prévoit... Je le sais très bien. Mais personne ne peut la contredire dans l'état où elle se trouve en ce moment. Oui, mais elle guérira un jour. Miguel, accepte les propositions de Milan. Et faisons la paix. Cela ne fera de mal à personne. Je lui ai donné ma parole d'honneur de ne pas prendre de décision avant d'en parler avec elle. Il est inutile d'anticiper les événements. Pendant la soirée, je ferai mon possible pour la convaincre. Je t'appellerai entre 6h et 6h30 demain soir. Et ainsi, tu seras au courant et tu ne seras pas pris au dépourvu au moins. Elena t'appellera vers 6h30. Et toi, tu appelleras Miguel après. Bien, d'accord. Mais j'espère que tu arriveras à ne pas te compromettre avant le coup de téléphone. Moi, j'appellerai la dernière. Je suis un pion important dans le jeu. Vous ne croyez pas? Le vol numéro 165 en provenance de Milan est arrivé avec une heure de retard. Je vous en prie. Oui, la doctoresse Lombardi à l'appareil. Le professeur Carly vient d'arriver. Je vous remercie. Allô, oui? Le professeur Carly vient d'arriver. Veuillez faire préparer la salle d'opération. Merci. Ciao. Ciao. Voici le cœur qui t'attend en salle d'opération. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis hier? Je suis très préoccupée. Je suis sans nouvelles de Miguel. Comment? Il ne t'a pas téléphoné? Non, et je trouve cela étrange. Bah, il ne faut pas te préoccuper. Il aura eu certainement quelques contretemps et il aura décidé de remettre son départ au lendemain. Voilà tout. Oui, ce n'est pas impossible. Mais pourquoi as-tu ces papiers dans ta poche? Quoi? Quels papiers? Mais ils ont disparu du bureau de Miguel samedi soir. D'ici ou de son appartement? Du bureau de son appartement. Mais dis-moi, est-ce que tu es vraiment sûr que ces papiers sont tombés de ma poche? Parce que moi... Certainement. Eh bien, voilà un mystère que j'aurai beaucoup de mal à résoudre, Paola. Oui, entrez.
Doctoresse, monsieur le directeur voudrait parler avec le docteur Carly. On a assassiné Miguel. Il a reçu 3 coups de pistolet. Mais qui a fait ça? Je ne le sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Calme-toi. Calme-toi. Paola. Oui. Docteur Carly, le patient est prêt. J'arrive tout de suite. Paola, tu ne penses tout de même pas que... Je te jure que moi-même, je n'y comprends rien. Il y a sûrement une explication. Non. Non. Paola, tu dois avoir confiance en moi. Entrez. Le commissaire Nardi de la police criminelle. La doctoresse Paola Lombardi, fiancée du docteur Azzini. Le professeur Carly. Est-ce que vous avez des soupçons? Non. Non. Est-ce que je pourrais vous parler en tête à tête? Oui. Excusez-moi, commissaire, mais j'en ai besoin en salle opératoire. Il est 9h et je peux vous promettre que dans 5 minutes, tout sera terminé. Vous vouliez me dire quelque chose? Non, commissaire. Si, vous le vouliez. Mais vous y avez repensé. Est-ce que je me trompe? Ah, je crois que je ne vais pas insister. Doctoresse Lombardi, selon l'agenda du docteur Azzini, il attendait un coup de téléphone de votre part vers 7h du soir. L'avez-vous appelé? Non, je lui ai téléphoné plus tard. Et pourquoi plus tard? Non, non, ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une question de routine. Plutôt, ça n'aurait servi à rien, l'avion était en retard. Et vous avez appelé l'aéroport de votre appartement? Non. Une personne un peu plus sûre d'elle-même m'aurait répondu « j'ai appelé de la clinique » ou autre chose. J'ai appelé d'un téléphone public. Eh oui, un appel qu'aucune police au monde ne pourra jamais contrôler. Doctoresse, veuillez excuser ma nervosité, mais regardez plutôt. Ça fait 5 jours que je n'ai pas fumé. Mon docteur me l'a interdit définitivement. Ah, quand est-ce que je rencontrerai un docteur qui me dira « mais fumez, mon vieux, fumez, ça fait du bien aux poumons, c'est bon pour le cœur, et en plus, ça ne fait pas de mal à vos artères. » Je peux vous avouer que chaque fois que je vois une blouse blanche, ça me fait sortir de mes gonds. Et comme un fait exprès, c'est à moi qu'on a donné ce cas. En dehors de la photographie, il était passionné de cinéma. Il y a aussi un appareil de projection et un écran. Fais préparer une projection. Tout de suite. Quant à toi, dépêche-toi avec ça, j'ai besoin de la bande magnétique. Bien, commissaire.
La mort a dû se passer exactement à 7h10. Sa montre au bracelet s'est cassée quand il est tombé par terre. Hé, hey, tu sais qui a fait le coup, toi, hein? Si tu pouvais parler. Félix! Oui, chef. Interroge-le. Hein? Alors? Les projectiles viennent d'un pistolet Remington calibre 9. Comme celui-ci. Il a servi 3 fois à bout portant. Pourquoi? Cela révèle un état de grande nervosité et un total manque de pratique. Chef, c'est pas le trio classique, c'est un quatuor. Regardez un peu ces hanches. Pas mal, hein, chef? Madame? Oui? Il y a un monsieur qui vous demande d'urgence, il dit qu'il est de la police. Tu peux le faire entrer? Oh oui, c'est pas gêné, madame, il est déjà entré. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Carly. Je suis le commissaire Nardi du département de la police criminelle. Asseyez-vous. Non, je vous remercie. J'essaierai d'être bref, madame. Est-ce que vous savez si votre mari possède un pistolet Remington? Effectivement. Ça vous ennuierait beaucoup de me le montrer? Pourquoi posez-vous toutes ces questions? Un médecin de votre clinique a été trouvé assassiné. Et c'est moi qui ai été chargé de l'enquête. Qui est-ce? Le docteur Azzini. Qu'est-ce que mon mari a à voir dans tout cela? Je ne le sais pas encore, madame. Roberto. Oh, Roberto. Calme-toi. Maria, le médicament de madame. Excuse-moi, Elena. Je ne savais pas comment te le dire. C'est terrible. C'est terrible. C'est pour cette raison que je ne t'ai pas téléphoné tout de suite. Ma femme a une grave maladie de cœur et les mauvaises nouvelles sont très dangereuses pour elle. Je suis désolé, je ne le savais pas. Est-ce que cet interrogatoire est indispensable? Pour la police, certainement. Alors, dépêchons-nous. Je sais que vous possédez un pistolet Remington. Est-ce que je peux le voir? Je vous en prie. Je suis sûr de l'avoir nettoyé il y a quelques jours, tu te souviens? Mais moi, je n'y ai pas touché.
Est-ce que vous avez reçu des visites? Oui, en effet. Il y a une semaine, nous avons eu une réunion ici avec l'administrateur de la clinique, la doctoresse Lombardi et le docteur Asini. Vous m'avez fait demander, monsieur? Est-ce que par hasard, vous auriez remarqué le pistolet qui était dans mon bureau? Non, je ne l'ai pas vu, monsieur. Ce n'est pas grave. Tu peux t'en aller, Maria. Durant cette réunion dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu quelques désaccords avec l'administrateur? Non. Pour dire la vérité, commissaire, nous avons parlé de problèmes auxquels nous avons trouvé des solutions. Est-ce qu'il est exact que le professeur Asini était sur le point de vous quitter pour exercer dans une autre clinique? Oui, mais il ne l'aurait pas fait. Ma femme était prête à lui céder un nombre d'actions supérieur à l'offre de l'autre clinique. En supposant que vous soyez d'accord aussi. Oui, mais légalement, je n'avais aucun droit de regard. Je ne comprends pas très bien. Je demanderai à l'administrateur de vous faire voir une copie de l'acte qui régit notre société. Je vous remercie. Dites-moi, docteur Carly, auriez-vous par hasard téléphoné au professeur Asini entre 6h et 7h? J'aimerais beaucoup le savoir. Non. À ce moment-là, j'étais en salle d'opération. J'ai commencé vers 5h et j'ai terminé exactement à 9h. Voulez-vous boire quelque chose? Je vous remercie, je ne bois pas. Et je ne fume pas non plus. Madame Carly, l'avez-vous appelé? Oui, je lui ai téléphoné à 6h30. Il n'était pas chez lui et j'ai dû lui laisser un message. Auriez-vous l'extrême obligeance de répondre à une dernière question? Surtout n'ayez pas peur. Ce n'est qu'une question de routine. Que faisiez-vous entre 6h et 8h de l'après-midi de samedi dernier? J'étais au cinéma. Le film m'ennuyait et je suis sortie. Alors vous avez téléphoné du cinéma? Non, d'un téléphone public. Ah oui, je comprends. Dites-moi, monsieur le commissaire. Je crois que le fait que ma femme ait voulu s'associer avec le professeur Asini la met automatiquement au-dessus de tout soupçon. C'est exact. Veuillez m'excuser, et ne vous préoccupez pas trop pour la disparition du pistolet. Quelqu'un, et Dieu sait qui, peut en avoir acheté un de la même marque et du même calibre. Je suis absolument confus de vous avoir dérangé, madame. Je ne comprends rien à toute cette histoire. C'est incroyable, moi non plus. Allô? 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 Qui est à l'appareil? Allô? On a raccroché, Roberto. Tout ça me fait peur. Roberto. Paola. Paola. Elena. Elena. Sale crétin. Ben, il est idiot, ce perroquet, il parle pas. Le docteur Asini est à Milan. Il rentrera à 18h. Si votre appel est urgent, laissez votre message. Pendant 20 secondes, l'enregistreur automatique fonctionnera. Parlez maintenant. C'est Louise qui te parle. Je vais venir te voir. Surtout, ne dis rien à Elena. Souviens-toi de ta promesse. C'est le seul appel qui a été fait à cette heure-là. Les autres savaient déjà que l'avion de Milan était en retard. Au moins, vous avez la preuve que l'administrateur est venu ici, chef. Oui, mais la femme du docteur Carly a dit qu'elle avait appelé à 6h30. Et ici, ça n'est pas enregistré. Eh bien, ça veut dire qu'elle a appelé plus tard. Vers 7h, le docteur Asini arrive. Et il arrête l'enregistreur. Félix, tu vas emmener la bande magnétique. Je veux voir si quelque chose a été effacé là-dessus. Et qu'est-ce que je fais avec le perroquet? Eh bien, s'il ne parle pas, tu le fais rôtir et tu le manges. Mais comment rôti, si c'était encore un poulet, ce pauvre perroquet? Roberto, hier, au téléphone, je voulais parler avec toi. Mais c'est Elena qui a répondu. Alors j'ai préféré raccrocher. Et maintenant, je ne sais même plus pour quelle raison. J'avais tellement envie de te parler. J'avais l'intention de te dire que jamais je ne te soupçonnerai malgré les papiers que j'ai trouvés. Je te remercie.
Bonjour, monsieur Louis. Bonjour. Le commissaire Nardi est là, monsieur Louis. Le commissaire ? Oui. Je l'attendrai dans la salle de réunion. Très bien. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil cette nuit. Dis-moi, ces papiers, c'est toi qui les as retirés de la poche de ta veste pour les mettre dans ta blouse ? Non, mais souviens-toi, tu m'avais fait remarquer qu'ils étaient tombés de ma blouse. Ah, c'est vrai. Donc ça veut dire que quelqu'un les a mis exprès dans ta poche ? Oui, bien sûr, mais qui est-ce ? Je ne sais pas. Mais tu n'as pas encore retrouvé ton pistolet ? Non, pas encore. Il a disparu de chez toi, en tout cas. Oui, en effet. Est-ce que tu as des soupçons sur quelqu'un ? Tu veux dire Elena ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Roberto, regarde les choses avec lucidité. Ce qu'Elena éprouvait pour Miguel était bien plus qu'une simple amitié. Tu veux insinuer que ses rapports avec lui étaient différents de ce que je croyais ? Je ne peux pas l'affirmer, mais de toute façon, elle était au courant de ce qu'il y avait entre nous. Tu n'as jamais pu le cacher. Oui. Et dire que c'est pour cela que j'ai dû renoncer à toi, Paola. Je t'en prie, oublions le passé. Ce que j'essaie de te faire comprendre, Roberto, c'est que peut-être par jalousie ou alors pour se venger... Paola ! Elena n'aurait jamais été capable de faire une chose pareille. Mais... Allô ? Ici le docteur Carly. Est-ce que tu peux venir dans la salle de réunion ? Oui, tout de suite. Si tu vois la doctoresse Lombardi, dis-lui de venir avec toi. Très bien. Il ne devra pas courir très loin pour la trouver. Elle est avec lui. Suivant ses statuts, vous possédez 20% de toutes les actions et des pouvoirs très étendus comme administrateur. Vous admettez que le soir du crime, vous êtes allé trouver le docteur Azini, que personne n'est venu vous ouvrir la porte et que vous êtes retourné à la clinique ? C'est exact. Le docteur Carly a effectué deux opérations. La première a été terminée à 18h55 et il a commencé la deuxième après une pause d'une demi-heure, suivant ce qui est consigné sur ce registre. Oui, commissaire. Vous êtes un peu comme moi. Quand je deviens nerveux, ça se remarque à mes mains. Est-ce que le docteur Carly se serait absenté pendant qu'il opérait ? Non. Il a eu une demi-heure de repos entre les deux interventions. Une demi-heure ? Est-ce qu'il est sorti de la clinique ? Je ne crois pas. En général, il se repose dans son bureau. Ah. La doctoresse Lombardi était présente aux interventions ? Non. C'était son jour de repos. Très bien. Est-ce qu'elle vous plaît en tant que femme ? Ici, je ne la considère que pour ses qualités professionnelles. Pourtant, vous aviez l'intention de l'épouser. Qui est-ce qui vous l'a dit ? Personne. Ce sont de simples suppositions. Elle est très belle et il est naturel qu'elle provoque ce genre de sentiments. Je crois que je ne pourrais pas lui résister bien longtemps si je la voyais trop souvent. Entrez. Le commissaire Nardi désire vous poser quelques questions. Nous avons découvert par hasard cette police d'assurance sur la vie du professeur Azini. Une centaine de millions de lire. Dont l'unique bénéficiaire est la doctoresse Paola Lombardi. C'est curieux. Je n'étais absolument pas au courant. C'était peut-être une surprise qu'il voulait vous faire pour le mariage. Mais d'habitude, il s'assurait toujours quand il partait pour un voyage en avion. Mais il ne m'a jamais parlé de cette assurance vie. Ça n'a aucune importance, doctoresse. Qu'est-ce que vous avez fait le soir du crime entre 6h30 et 7h30 ? J'ai fait quelques achats. Et vous n'avez rencontré aucune connaissance ? Non. Même pas quand vous êtes entré dans la maison du docteur Azini ? Je n'ai pas mis les pieds dans la maison du docteur Azini. C'est pourtant logique. Vous étiez sa fiancée, je ne vois rien de mal à cela. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas allée dans son appartement. Je n'aime pas vos façons de faire, monsieur le commissaire. Je trouve cela inadmissible. Et moi, je n'aime pas les vôtres. Vous interdisez à tous vos patients de fumer et vous n'arrêtez pas de donner le mauvais exemple. À l'appartement du docteur Azini, à toute vitesse. Tout de suite, chef. Et arrête ces essuie-glaces, imbécile. Oui, chef.
Plus vite que ça. Hein? Oui. Dis-moi, ma belle Sophia. Oui? Est-ce que ce qu'on voit passe tous les jours à 18h30? Ah oui, je ne l'ai encore jamais vu en retard. Ah. Merci, monsieur. Allez, on s'en va. Mais qu'est-ce que tu attends? Ah, c'est une chose extraordinaire. Allons, démarre, dépêche-toi. Oui, chef, tout de suite, chef. Tu ne sais pas conduire. Sévère. Oui, chef. Hé, hey, tu l'as volé ton permis de conduire. Je t'emmerde, toi, ton père, ta mère, toute ta famille. Je suis sûr que l'un des trois est l'assassin. Est-ce que tu es d'accord, Félix? Oh, moi je suis toujours d'accord, chef. Aller-retour, 40 minutes exactement. Et lui n'en avait que 30 à sa disposition. Allez, on rentre. Ce n'est pas une bonne publicité pour la clinique. Ça finira par nous discréditer. Oui, je le sais. Mais substituant Miguel par le professeur de Simoni, qui est considéré comme le meilleur cardiologue d'Europe, nous réussirons au moins à rendre à la clinique tout son prestige professionnel, tu ne crois pas? Quand va-t-il commencer avec nous? Dès la semaine prochaine, quand il sera rentré des États-Unis. Est-ce que tu as prévenu Roberto? Oui, je lui ai dit. Et je pense que ça a été plus désagréable pour moi que pour lui. Il n'est pas trop tard pour revenir sur ta décision. Personnellement, je suis persuadé qu'il est tout à fait capable d'assumer ce travail. Il y a longtemps qu'il ne boit plus, tu le sais, et ses mains ne tremblent plus. Heureusement, tout cela est de l'histoire ancienne. Mais le motif qui poussait Roberto à boire existe toujours. Laissons de côté les histoires personnelles. Je ne peux pas. Tant que tout ne sera pas parfaitement clair, je serai incapable d'accorder pleine confiance à Roberto. C'est vraiment le fond de ta pensée? Le professeur de Simone y amènera avec lui son assistante. Paola ne sera donc plus indispensable. Alors nous verrons bien ce qui se passera. Tu veux dire que le professeur de Simone subira aussi cette épreuve? C'est une épreuve définitive pour Roberto et pour moi. Et en fin de compte, il faudra bien que nous l'affrontions, une fois pour toutes. La bande magnétique avait enregistré un autre appel, mais il a été effacé. Il s'agit sûrement de l'appel dont a parlé Madame Carly. Il y avait probablement quelque chose de compromettant dessus. Qui peut l'avoir effacé? L'assassin, bien entendu. Allô, j'écoute. C'est toi, Paola? C'est moi, Roberto. Ciao, d'où m'appelles-tu? De notre restaurant. Il faut absolument que je te voie. Excuse-moi, mais c'est impossible, Roberto, je ne peux pas. Je t'expliquerai demain à la clinique. Paola. Paola. Paola.
Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Le commissaire Nardi sait que je t'ai demandé autrefois si tu voulais m'épouser. Ça ne vient sûrement pas de moi. Suis-les. Et maintenant que tu es devenu libre, que me répondrais-tu? Comment oses-tu parler de cette façon, Louis? Je vois que tu es toujours amoureuse. J'étais sur le point de me marier avec lui. Je ne voulais pas parler de Miguel. Le pauvre, il a été éliminé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je ne suis pas naïf à ce point-là. Il n'est pas difficile de comprendre que tu es encore amoureuse de Roberto. Continue. Paola, dans cette histoire, il y a des choses très étranges, comme par exemple cette police d'assurance. Et la vie d'Elena qui ne tient qu'à un fil. Un choc. Et Roberto héritera de toutes ses actions de la clinique. Mais moi, j'ai des pouvoirs importants, et s'il le faut, je n'hésiterai pas à m'en servir. Je croyais que tu étais un ami pour Roberto. Sa situation est compromise, et j'ai bien peur qu'elle ne s'améliore pas. Je t'en prie, Louis, ramène-moi à la maison. C'est curieux, il rentre déjà. Pourquoi ont-ils fait une promenade aussi courte? J'ai fait un rêve horrible. Un homme essayait de m'assassiner. Il n'arrêtait pas de me regarder. Et moi, je n'arrivais pas à respirer. Mais il ne m'a rien fait. Les événements de ces derniers jours nous ont tous bouleversés. Bois ça. Tiens, ça te calmera. Et tu verras que demain, tu n'y penseras plus. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer un peu? Tu veux m'éloigner de toi, Roberto? Mais non. Je pensais seulement à ta santé, Elena. Roberto, je crois que très souvent tu as été ennuyé par mes décisions, mais essaye de me comprendre, je t'en prie. La clinique est pour moi comme une espèce d'hérédité morale que mon père m'a laissée en charge. Et... Maintenant, tu vas essayer de dormir. Ça a été une chose très laborieuse. Nous n'avons pas trouvé l'ombre d'une trace d'empreinte digitale, mais nous avons observé des traces de silicate de magnésium. Voici la formule du produit. SI409, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? C'est la formule chimique du talc. Et alors je voudrais savoir ce qui t'empêche d'écrire le mot talc. J'ai l'impression que dans ce laboratoire, vous compliquez les choses seulement pour justifier vos appointements. Pourquoi ne pas dire tout de suite que le criminel portait des gants de caoutchouc et en déduire brillamment que c'était des gants de chirurgien? C'est vraiment impossible, chef. Le perroquet ne veut pas parler. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai même essayé de le torturer. Tu ne devais pas faire ça. C'est interdit par les règlements de la police. Même le bilan du premier trimestre peut être considéré comme satisfaisant. Et cela grâce à ton sens parfait de l'organisation. Tu te sens profondément attaché à la clinique, n'est-ce pas? C'est parfaitement exact. Depuis l'époque où ton père l'a fait construire, je m'en suis toujours occupé. Et je crois que j'ai toujours mérité son estime totale et toute sa confiance. Oui, je le sais. Et c'est pour cette raison qu'il avait décidé qu'après un certain nombre d'années, tu aurais dû arriver à 25% des actions de la société. À condition que cette situation t'intéresse toujours, bien entendu. Oui, naturellement. Il ne fait aucun doute que nous aurions dû céder ses actions à Miguel dans le seul but de le faire rester avec nous. Oui, je le sais. Qu'est-ce que tu aurais essayé de faire pour empêcher cela? En vérité, j'aurais conseillé à Miguel de ne pas accepter ton offre. De toute façon, ça n'a pas été nécessaire. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Ce soir-là, les uns pour une raison, les autres pour une autre,
Nous devions tous voir Miguel. Toi, Paola, moi-même, et aussi Roberto. Sais-tu que Paola va toucher 100 millions de lire d'une assurance sur la vie qu'avait contracté Miguel? Excuse-moi, je pensais que Roberto te l'avait déjà dit. Est-ce que vous vous rappelez l'avoir déjà vue? Je crois que oui. Dans quel appartement est-elle? Ah, ça, je n'en sais rien. Beaucoup de monde passe par ici, vous savez. C'est très bien. Je vous remercie. Docteur, quelle bonne surprise. Qu'y a-t-il de tellement surprenant? Nous avons besoin de quelques rapports que le docteur Asini avait préparés. Je suis désolé, mais les techniciens n'ont pas encore terminé. Et j'ai reçu l'ordre de ne laisser entrer personne. Je reviendrai. À bientôt. Thank you.
Bonsoir, madame. Allô, oui? C'est moi, j'écoute. J'arrive tout de suite. Ils l'ont emporté tout de suite dans l'ambulance, mais elle voulait parler avec vous. Pauvre madame. Quand je suis venu voir madame Carly, est-ce qu'elle portait des gants de chirurgien ou est-ce que je me trompe? Oui. Oui, elle en avait. Elle s'en servait pour peindre ses céramiques ou pour tailler ses fleurs. Est-ce que je peux les voir? Oui, tout de suite. Emmenez-la dans l'autre pièce. Fais préparer la salle d'opération. Il faut l'opérer immédiatement, Louis. Mais je ne me sens pas le courage de le faire. Il n'y a pas une minute à perdre et personne ne peut le faire mieux que toi. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un était en train de suivre ma femme. Et elle a eu certainement l'impression qu'on voulait l'assassiner. Il s'agissait d'un de mes agents. Vous auriez pu au moins lui épargner cela. C'est vous qui m'avez demandé de la protéger. Vous vous souvenez? Oui, en effet. Allez le lui expliquer pour la tranquilliser. Je voudrais voir madame Carly. Je suis désolée, c'est interdit. Paola! Laisse-moi lui parler seule un instant. Monsieur le commissaire, on veut m'assassiner. Chère madame, l'homme qui vous a suivi était un de mes agents et il n'était là que pour vous protéger. Calmez-vous. Il n'y a personne qui vous veuille du mal. Mon mari a décidé de m'opérer lui-même. Et j'ai un pressentiment terrible. Je vous en prie, faites que ce ne soit pas lui qui m'opère. Il faut que je parle avec Louis. Je vais l'appeler, mais vous devez rester calme. Elena Carly ne veut pas être opérée par son mari. Vraiment? Pourquoi? Pour une raison qu'elle ne veut pas nous dire et qu'il est facile de deviner. Laquelle? C'est écrit dans les statuts de la société. Si elle mourait pendant l'opération, le docteur Carly hériterait de la clinique. Et il commettrait un crime absolument parfait. Il faut l'opérer immédiatement. C'est une question de vie ou de mort. Vous voulez assumer cette responsabilité? Non, et malheureusement, il n'y a pas d'autre possibilité. En effet. Vous pouvez entrer. Louis, ne laisse pas faire cette opération. Je t'en prie, je t'en supplie. Calme-toi, Elena. Je sens que je vais mourir pendant l'opération. Je le sais, je le sais. Oh, Louis. Ne sois pas préoccupée. Tout se passera bien. Ayez confiance, madame Carly. Thank you.
Restez tranquille, madame. Restez calme, madame. Vous allez dormir et vous ne sentirez rien. Aïe. Et voilà. Le plus difficile est passé. Vous n'avez qu'à compter jusqu'à 10. Je suis épuisé. Je te laisse continuer. Docteur, vous la reconnaissez? Nous l'avons trouvée dans le studio du docteur Azini. Étiez-vous au courant de leur relation? Toutes mes congratulations pour la brillante opération qui a sauvé votre femme. Sauvée à moitié, car une fois guérie, nous l'arrêterons. Monsieur le commissaire, vous ne pensez pas que le moment est mal choisi? Excusez-moi. Ah, bien souvent, il est désagréable d'être obligé de faire son devoir. De toute façon, je dois vous dire que je vous admire. Paola? Oui. Ne laisse pas entrer le commissaire. Ils ont trouvé chez Miguel une boucle d'oreille appartenant à Elena. N'aie pas peur, Paola. C'est moi, Roberto. Il fallait que je te voie. J'ai besoin de toi. J'en étais sûre. Tu ne peux pas savoir à quel point je t'admire. Malgré tout le mal qu'elle t'a fait, tu as tout essayé pour lui sauver la vie. Non, nous n'avons pas le droit de la juger. Je crois que nous aussi, nous avons commis une grande faute, vois-tu. Le jour où je t'ai rencontré, elle a soudain cessé d'exister pour moi. Inutile de te torturer ainsi, je t'en prie. Quand tu as décidé de me quitter, je ne supportais pas l'idée de vivre loin de toi, Paola. Je te laisse, mon amour. Je ne penserai qu'au moment où nous nous reverrons. Moi aussi. Ciao.
Paul. Chut, ne parle pas. Je t'ai toujours détesté. Toi, en tant que femme, tu peux le comprendre. Roberto a été amoureux de toi, tout de suite. Dès que vous vous êtes rencontrés. J'ai tout fait pour essayer de ne pas le perdre, mais ce fut inutile. Oui, je vous laisserai libre. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Oui, je suis la dernière personne à l'avoir vue vivante. Vous admettez qu'une dose excessive dans la piqûre intraveineuse pouvait être la cause de sa mort. Oui. Mais je peux vous assurer que je lui ai donné la dose juste. Et je ne vois pas pourquoi vous m'avez fait venir ici. Parce que quelques détails et votre relation très intime avec le docteur Carly vous rattachent directement au délit, mademoiselle. Et ce fut justement dans cette maison... Excusez-moi, monsieur le commissaire, c'est l'heure. Ah oui, je sais. La doctoresse doit rester enfermée et isolée ici jusqu'à nouvel ordre. Vous n'avez pas le droit d'agir de cette façon. Entrez. Ah, c'est encore vous, monsieur le commissaire. Je suis désolé, docteur, mais je dois vous communiquer que la doctoresse Paola vient d'être arrêtée. On est en train de l'interroger et elle ne tardera pas à se confesser. Et de quoi peut-on l'accuser? D'avoir assassiné le docteur Asini pour toucher l'assurance. Et ensuite, votre femme pour devenir la propriétaire de la clinique en vous épousant. Non. Quelle preuve avez-vous? Une injection intraveineuse en dose excessive peut causer la mort, docteur. Je pense que vous le savez mieux que moi. Bien sûr. Mais je sais aussi qu'une opération du cœur n'est jamais définitivement réussie. Il peut arriver de nombreuses complications pendant la période post-opératoire. Ah, d'accord, docteur. Mais j'ai tout de même noté des contradictions dans les déclarations de la doctoresse. Ici le docteur Carly. On demande d'urgence le commissaire Nardi. Eh bien, ce qui prouve que les policiers sont parmi les gens les mieux surveillés. Allô, oui, ici le commissaire Nardi. Commissaire, la doctoresse a avalé une forte dose de barbiturique. Elle est mourante. Espèce d'imbécile, pourquoi n'avez-vous pas fait attention? J'arrive tout de suite. Ils étaient en train de l'interroger au studio du docteur Asini. Ici les urgences. Ici le docteur Carly. Envoyez une ambulance à la maison du docteur Asini avec l'équipement d'intervention d'urgence. Dépêchez-vous. Thank you.
pas sauvés. Non seulement nous risquons notre vie, mais aussi celle des autres. J'espère que nous y arriverons vivants. Il vous a fallu très exactement 12 minutes, comme le jour du crime. Avec tout le temps nécessaire pour assassiner le docteur Azini, effacez sur la bande magnétique l'appel de votre femme et retournez à la clinique. Cette course en voiture n'est pas une preuve. Nous en avons trouvé une autre, à l'intérieur des gants dont se servait votre femme. Un petit poil insignifiant, qui ne peut appartenir à la main de votre femme, mais qui est parfaitement identique à ce que vous, docteur, laissez dans les gants que vous portez pendant les opérations. Il vous faudra expliquer aussi ce que vous avez fait entre 6h et 6h20 ce matin, heure à laquelle on a retrouvé morte votre femme. Tous vos subterfuges pour éviter les soupçons n'ont servi à rien, docteur Carly. Même pas votre brillante opération. Et il y a encore bien des réponses que vous devrez donner au psychiatre. Doctoresse, vous êtes libre. J'espère que vous me pardonnerez.